Un jour de mars 1895, aux alentours de midi, les portes de l'usine Lumière de Lyon s'ouvrent. Devant elle, une nouvelle invention, le cinématographe. Il est posé sur le trottoir d'en face. Que dit Lumière ce jour-là? Allez-y, action. Aucun témoignage, aucune archive. Mais c'est le geste inaugural. Les femmes sortent, puis les hommes. Personne ne regarde la caméra, sauf de façon furtive. Longtemps, ce film fut désigné comme le premier d'entre eux. Mais ceux qui assistèrent à la première séance évoquaient la présence d'une voiture à cheval. Qu'importe, il fallait un premier film, ce fut celui-là, la sortie des usines Lumière. Jusqu'au jour où on en trouva un autre. Et cette version serait-elle aussi le premier film? Cette vue Lumière est plus fragile, mais le cadre est identique et tout ressemble au précédent. Quand il invente le cinéma, Lumière invente aussi le remake. Mais regardez, l'ombre sur le sol est formée par un soleil qui n'est pas au zénith. On serait bien en mars. D'ailleurs, les gens sont habillés beaucoup plus chaudement. Et qu'est-ce qui arrive à la fin du film? Une voiture à cheval. Mais voilà, cette troisième version que nous voyons est sans doute bien celle tournée en mars 1895. On retrouve les mêmes personnages, parfois les mêmes visages, puis le chien et les bicyclettes. Ceux qui portent beau ou ceux qui font les imbéciles pour se faire remarquer, preuve que le film est mis en scène. L'aventure du cinématographe commence. 17 mètres de pellicule, 35 mm de large, 50 secondes d'une éternité qui dure encore. Depuis, le chemin Saint-Victor est devenu la rue du premier film et le premier personnage de l'histoire du cinéma, c'est la foule, c'est le peuple. Le 11 juin 1895, Lyon accueille le congrès des sociétés françaises de photographie. Une excursion fluviale emmène les congressistes jusqu'à Neuville-sur-Saône. Lumière les attend sur le quai et filme le débarquement des joyeux scientifiques. Joyeux, mais plus pour longtemps. Le lendemain, le film est projeté à l'assistance. À partir de ce moment-là, tous ces photographes inventeurs qui défient l'appareil à la main comprennent que l'invention du cinéma est terminée. Le cinématographe des frères Lumière de Lyon est le meilleur et le plus perfectionné de tous les appareils. Voici le goûter de bébé. L'un des premiers films, l'un des plus connus. À gauche, Auguste Lumière, qui faisait souvent l'acteur puisque son frère Louis filme. À droite, son épouse Marguerite et au milieu, leur fille André. Ce qui impressionna les spectateurs, c'est le vent dans les feuillages. Car le cinéma, qui signifie écrire le mouvement, ça n'est pas la photographie. Ça bouge dans l'image. Le film est aussi remarquablement cadré. Ce qui nous permet de remarquer la présence, en bas à droite, d'une bouteille de cognac, prouvant qu'il s'agit d'un petit déjeuner français, d'un petit déjeuner de cinéma. Et ce film-là, est-ce un documentaire? Le principe est simple. Un forgeron au travail filmé de face avec son assistant. Sans doute Lumière s'est-il inspiré d'une vue Edison qui traita du même sujet. Ici, grâce à la perfection de la photo, la scène est tellement réaliste que l'on croit entendre les coups de marteau sur le fer brûlant qui, plongé dans l'eau froide, dégage une magnifique fumée qui envahit l'écran. Un documentaire, mais le forgeron est en cravate et en chemise blanche. Et à la fin du film, vous verrez, quelqu'un lui amène un verre d'alcool. Chez Lumière, tout n'est que mise en scène. Voici la première fiction, la première comédie, le premier gag, l'un des films les plus célèbres. On l'appela le jardinier et le petit espiègle, ou arroseur et arrosé, devenu pour la postérité l'arroseur arrosé. Un scénario venu d'une blague du jeune Édouard Lumière. Le jet d'eau le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Mais observons bien, lorsque le jardinier poursuit le petit garnement, c'est pour lui tirer les oreilles, mais c'est aussi pour ramener l'action face à la caméra. Le jardinier ajoute une fessée pour permettre au film d'aller jusqu'au bout de ses 50 secondes, avec, regardez, un regard caméra furtif du petit espiègle. En 1892, Cézanne exécuta Les joueurs de cartes. 4 ans plus tard, Lumière réalise cette partie d'écarté dans une composition identique. Un film de témoignage, puisque nous voyons à gauche Antoine Lumière, père de Louis et Auguste,
qui joue aux cartes avec Alphonse Vinclair, le père des deux filles Vinclair qui ont épousé les deux fils Lumière. À droite, c'est Félicien Tréway, un ami de la famille qui introduisit le cinématographe en Angleterre. Le film est à nouveau mis en scène. Pour s'en convaincre, regardez le serveur à qui on a demandé de jouer. D'ailleurs, il ne joue pas, il surjoue. Voici l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, le premier film de l'histoire du cinéma qui effraya les spectateurs, puisque épouvantés, ils crurent que la locomotive qui approchait allait traverser l'écran. Avec ce film, qui provoqua une énorme sensation, Lumière comprit que le cinéma avait affaire avec le spectaculaire. Sur le quai de gare, nous voyons passer la famille Lumière, mais au-delà de sa notoriété, ce film doit être jugé d'un point de vue esthétique. Regardez en effet le travail sur la composition, cette façon que Lumière a eue de faire entrer la locomotive dans la diagonale qui partage l'écran en deux parties. Les blancs, les clairs et les gris en bas à droite, et en haut à gauche, le sombre et le noir. Même quand certains films du cinématographe Lumière commencent comme des documentaires, ils n'en sont pas tout à fait. Regardons celui-là, La démolition d'un mur, tourné à Lyon-Montplaisir en 1897. Un mur qui s'écroule, le film était fait pour impressionner, il impressionna. Comme on l'a dit, Auguste Lumière faisait l'acteur pour son frère Louis qui tournait la manivelle. C'est lui que nous retrouvons ici, devant la caméra, et qui dirige quelques ouvriers qui s'affairent avec zèle. Ce film est devenu célèbre, car lors d'une projection, un incident survint et le film devint tout à fait autre chose. Au lieu de rembobiner le film avec le projecteur éteint, comme l'exigeait la règle, l'opérateur procéda à la manœuvre en laissant la lampe à arc du cinématographe éclairer l'écran. Sans le vouloir, il projeta le film à l'envers, sous les yeux éberlués des spectateurs. L'effet de la démolition s'inversa pour devenir la reconstruction d'un mur après un balai de fumée tournoyant. Il est facile d'imaginer l'impression provoquée par ce film sur les spectateurs de l'époque. Le lendemain, lorsqu'ils assistèrent à la projection, les ouvriers de l'usine Lumière s'écrièrent « Les patrons sont des sorciers ». Lyon fut la première ville filmée par les Lumières, et au temps du cinématographe, les travelling, on les appelait des panoramas. Celui-là n'est pas le premier, mais le sujet de ce film ne pouvait être mieux traité. L'opérateur a placé la caméra à l'intérieur du train pour nous faire entrer dans Lyon, où nous arrivons par le nord pour traverser la Saône et aller jusqu'à la gare de Perrache. Instrument léger et perfectionné, le cinématographe permet d'obtenir une extraordinaire stabilité d'image sans aucun autre artifice, laissant apparaître en perspective la basilique de Fourvière récemment construite. Si elle est la plus célèbre, l'arrivée du train en gare de La Ciotat n'est pas la première ni la seule. Il y en eut des dizaines. Cette arrivée du train en gare de Perrache est comme le contre-champ du film précédent. Les gens savent qu'ils sont filmés, non parce qu'ils regardent la caméra, mais parce qu'ils s'activent, qu'ils courent et s'agitent pour bien montrer qu'ils sont en plein travail, le train à peine arrêté qu'on se précipite déjà pour ouvrir les portes des voitures. Mais comme souvent chez Lumière, et en 50 secondes seulement, une échappée, un miracle, offre au spectateur un peu d'inattendu et de mystère. Regardez à droite ce qui apparaît, une fumée, celle d'un autre train qui vient dessiner par les seules envolées de vapeur une sublime profondeur de champ. Le voyage à Lyon continue. Voici une vue qui fut projetée lors de la première séance au Salon indien du Grand Café. Elle fixe pour toujours la place des Cordeliers et elle est la quintessence du cinéma de Lumière première manière par la simplicité avec laquelle elle rend compte de la vie. La caméra met en valeur un lieu circulant de Lyon qui faisait se rejoindre ces deux fleuves et abritait le Palais de la Bourse ainsi que les Halles de Lyon construites en 1858
et qui furent détruites en 1971 pour être déplacées dans le quartier de la Part-Dieu. Lorsque les films étaient appréciés du public, Lumière les recommençait. Ici, un opérateur filme la place Bellecour dans le quartier le plus connu de la ville, le plus fréquenté aussi. Sans doute placé sur le balcon d'un immeuble, la caméra permet de restituer l'effervescence des lieux et de l'époque. En arrière-plan, on aperçoit l'hôtel royal Bellecour en construction. Longtemps disparu, ce film a été retrouvé et restauré, comme tous les films de ce programme. Pour les Lyonnais, il sera inestimable. Voici l'un des premiers films d'actualité. Il montre Lyon, victime d'inondations en 1896, quai de l'Archevêché, aujourd'hui quai Romain Rolland. Mais au-delà de l'information offerte aux spectateurs, il faut noter l'extraordinaire travail de mise en image. Lumière avait trois choses à filmer. Les inondations, les chevaux qui traversent avec difficulté et la foule nombreuse venue assister au spectacle. Comme le dit Bertrand Tavernier, citant le cinéaste américain Raoul Walsh, il y a une seule bonne place pour la caméra. Lumière a mis la sienne exactement là où il le fallait pour capter la réalité de la scène. Ce film s'ouvre par un léger travelling avant. Lumière a vite compris qu'un mouvement d'appareil crée de la puissance visuelle. Avec l'expérience, ils sont devenus plus sophistiqués. Celui-ci s'arrête au moment où les chevaux traversent, puis le travelling s'inverse pour cadrer en reculant la voiture qui arrive. Ce film s'appelle « La place du pont » et témoigne du désir de Louis Lumière de capter la vie et le réel. Filmer dans les rues était une consigne permanente qu'il donnera plus tard à ses opérateurs quand il les enverra autour du monde. Mais restons à Lyon. Voici un film tourné sur l'actuelle cour de Verdun au début de l'année 1896. La boule lyonnaise était un jeu populaire à l'époque et il l'est toujours. Normalement, une partie de boule exige de la concentration. Là encore, parce que la caméra est là, chacun fait du cinéma, surjoue un peu, théâtralisant ses gestes. On a même un homme avec ses béquilles qui traverse juste avant qu'un joueur n'entre en action. Gesticulation des uns, prestance des autres, toute cette assemblée d'hommes à canne et à chapeau donne au film des allures de liesse populaire. L'enfance, la grande affaire du cinéma de Lumière. Cette petite fille est la nièce de Louis et Auguste. On lui demande de jouer avec un chat et de lui donner à manger. Un chat récalcitrant qui s'enfuit. Puis hop, revient. Avec ce film, tourné à Lyon en 1900, nous ne sommes pas loin de la peinture impressionniste d'Auguste Renoir, par l'inspiration, la forme et le sujet. Et nous sommes tout près du gros plan que l'Américain Griffith inventera officiellement 10 ans plus tard. Et pendant ce temps, le chat mange, réclame et griffe les bras de la petite fille. Voici le premier film de suspense de l'histoire du cinéma, « Les premiers pas de bébé », filmé comme s'il s'agissait d'un drame à venir. Louis était père de famille et il avait à cœur de prendre le cinéma comme un instrument de conservation des mémoires familiales. Cet enfant, c'est tous les enfants. Il apprend à marcher, il hésite, il tombe ou pas. Et finalement, il tombe. Mais par sa chute, le bébé pense qu'il a fait rater le film. Il lui donne au contraire sa raison d'être. Ce film porte le numéro 69 et fut tourné dans la deuxième partie de l'année 1895. Nous retrouvons la petite André Lumière, celle du goûter de bébé, et son père Auguste qui tente désespérément de la faire jouer avec des poissons rouges. D'abord avec humour et tendresse,
puis avec une certaine impatience qui lui fait secouer l'enfant afin d'obtenir le résultat qu'il souhaite. En fin de film, l'œil complice qu'il lance à la caméra est comme un aveu d'impuissance. Voici, dans un autre film renoirien, Madeleine Kollère qui joue avec son frère Marcel Kollère, tous deux nièces et neveux d'Auguste et Louis Lumière. Ils ne jouent pas d'ailleurs, ils dansent. Ils se prennent au jeu, chacun à son rythme, chacun dans sa direction. Ce film a été tourné en été par Alexandre Promiot, qui fut l'un des plus grands opérateurs Lumière. La scène se passe sur une plage d'Angleterre en 1896. Pieds nus dans l'eau, sous le regard de leurs mères en habit, des enfants munis d'épuisettes pêchent des crevettes. Mais le vrai sujet du film, c'est sa beauté. C'est la position de la caméra qui définissait le cadre. Ici, elle est placée loin de la table pour bien avoir les trois enfants en plan large. On l'a dit, les films du cinématographe Lumière duraient seulement 50 secondes. On voit bien que le petit garçon sait qu'il dispose de très peu de temps, tant il fait preuve de rapidité pour distribuer des grains de raisin à sa sœur et à sa cousine. Rapidité et autorité. Impatience et fébrilité même. Une fébrilité qui devient le sujet du film et le rend cocasse. Cette baignade en mer fut tournée à La Ciotat en juillet 1895 sur la plage de la maison d'Antoine Lumière. Là encore, les enfants, frères, sœurs et cousins, jouent en Méditerranée dans ces fins de journée où tout est permis. La caméra fixe tout à la fois, les plongeons, le retour vers la plage, le hors-champ, puis la course sur le ponton. Ce film est une splendeur. Ces enfants qui jouent aux billes ne sont pas les enfants des Lumières, mais ils sont filmés avec la même tendresse. Ce sont les enfants issus de ce qu'on appelait les classes laborieuses, garçons et filles qui jouaient dans les rues. L'un d'eux n'a pas de chaussures, il est pieds nus. On voit aussi une petite fille habillée différemment de celle qui jouait avec son chat. Mais ce film est plein de vie. Il est la trace d'un témoignage assez extraordinaire sur la France du 19e siècle. Voici un film énigmatique. Il a pour titre « Le défilé de voitures de bébés à la Pouponnière de Paris » et il fut tourné à la Pouponnière de Paris, en 1897. On ignore comment l'opérateur Lumière se trouvait là et pourquoi il a pensé que cela ferait un excellent film. On retrouve la mise en scène de l'arrivée du train par l'usage de la perspective et de la diagonale, mais la locomotive est remplacée par le parfait alignement des landaus conduits par les infirmières qu'on croirait sortis d'un film de W.C. Fields. Et à la fin, petit happy end, un bébé qui part en sens inverse, marchant tout seul sur le chemin, comme Charlie Chaplin à la fin des temps modernes. La filmographie Lumière possède un grand sujet, la France qui travaille. «
La Ciotat, où le père d'Auguste et Louis possédaient une vaste demeure, est la ville méditerranéenne dont le cinématographe portera l'image. C'est ici un film de description dont l'inaction des personnages fait le prix. Il ne se passe rien. Tout le monde regarde au loin, on sent comme une attente, une inquiétude. Attente finalement comblée par l'arrivée de cette plaque de tôle qui était sans doute le sujet initial de cette vue, en plus de son admirable cadrage et de la richesse des éléments qu'elle donne à voir. Et celui-là, qui s'appelle Chaudière et dont la composition est une nouvelle fois parfaitement exécutée. Il a été tourné dans les ateliers de la Compagnie des messageries maritimes de La Ciotat. Au tournant du siècle, rappelons-le, les chantiers navals de la ville employaient plus de 6000 personnes. Les Lumières, Louis, Auguste et surtout Antoine venaient en voisins faire des films qui ont laissé un portrait inoubliable de la ville. Ouvrier réparant un trottoir en bitume. Voilà le titre de ce film qui porte le numéro 833 du catalogue Lumière et qui fut tourné en 1897 en France par un opérateur qui n'a jamais été identifié. La fumée qui envahit l'image la rend presque abstraite, entre peinture et photographie. La caméra qui saisit l'instant de manière sensible est toujours avec ce sentiment de spontanéité, de documentaire. Ou presque. Quand on observe bien, on s'aperçoit que les ouvriers sont très bien disposés et qu'à l'arrière-plan, une troupe de curieux parfaitement alignés assiste au tournage. Dans la mémoire ouvrière française, les mines de Carmaux occupent une place particulière. Ce film montre le défournage du coq qui ira plus tard alimenter les hauts fourneaux. La caméra est placée au plus près de la matière brûlante. On imagine la fascination des spectateurs de l'époque, puisque ça fascine encore. Mais cette vue est composée aussi de manière très inattendue, comme la superposition de deux films où deux sujets se déroulent en même temps, le principal, celui du bas, avec les ouvriers vifs et empressés, et celui d'en haut, au format cinémascope, où l'on voit des hommes ranger des wagons. Nous sommes en 1896, quelque part en France. Ce film a pour titre « Laveuse sur la rivière » et les laveuses, on les appelait les lavandières, comme dans les tableaux de Degas. À l'instant, nous avions deux films en cinémascope, là nous en avons trois. Le cheval qui passe en haut, les hommes qui regardent, et puis les femmes qui lavent le linge à la main ou au battoir, au bord de la rivière. Quand on dit la France au travail, c'était surtout les femmes au travail. Ce film commence par une glissade de sabots, un arrêt forcé et un effet de montage, sans doute que le spectacle tardait trop. Nous sommes dans le département de la Loire, sur la route de Saint-Chamond, où se trouvaient les usines spécialisées dans la construction d'acier lourd. Ici, un attelage de 60 chevaux transporte une tourelle destinée au cuirassé le Charlemagne. 60 chevaux et plus encore d'hommes pour les mener. Parmi les travailleurs, il y a aussi les pêcheurs. Voici un film qu'aurait pu tourner Luchino Visconti à l'époque du néo-réalisme lorsqu'il racontait l'histoire des gens de la mer dans la Sicile de la Terre Tremble. On est ici un demi-siècle plus tôt, dans le sud de la France, pour une pêche aux sardines, c'est le titre de ce film. La fixité de la prise de vue indique clairement que l'opérateur est sur la rive ou sur le port.
mais l'ingénuité du cadrage laisse croire qu'on est en pleine mer. Aujourd'hui, le cinéma ne ferait pas autre chose. Était-ce un hasard si l'opérateur se trouvait là ? On ne sait rien de ce film, tourné à Paris en 1896. Mais l'effet provoqué par le passage des chevaux au galop est impressionnant. Les voitures hippomobiles des pompiers, en circulation jusqu'en 1920, transportaient séparément les échelles et les pompes à vapeur. Lumière, c'est aussi le témoignage clinique d'une époque, de métier, d'un lieu, d'une tradition, sans reconstitution. À la fin du film, on peut voir la rue reprendre son quotidien et de nouveau les badauds passer devant la caméra sans le faire exprès. Un blanc, la manivelle s'est arrêtée, puis elle reprend, et le film aussi. Un nouveau témoignage de l'attention extrême portée à la mise en scène. Ça donne le filmage réussi du défilé des chevaux du tailleur de pierre Vautier, avec l'attelage qui prend la diagonale pour occuper toute l'image. L'idée était de montrer que les chevaux étaient nombreux et qu'ils transportaient quelque chose de lourd. L'opérateur n'avait que 50 secondes pour résumer tout ça. D'autre part, la caméra lumière n'avait pas de viseur. Il fallait donc cadrer en composant de mémoire. Regardez comment l'opérateur y est parvenu avec une fin lumineuse. 47, 48, 49, 50 secondes, le film est parfait. Après la France qui travaille, voici la France qui s'amuse. Car sur les 1500 films Lumière, nombreux sont ceux où l'on voit les Français prendre du bon temps. Comme cette garnison des cuirassiers de la Pardieu, à Lyon, qui accueillait à l'époque 3000 hommes et 1600 chevaux. Et voici sans doute le cheval le plus sympathique de l'histoire du cinéma. Le plus patient aussi. Tant ces hommes, qui sont aussi des athlètes, profitent de sa bienveillance pour enchaîner les sauts ratés et les sauts périlleux. Vous aurez noté que le cheval est par ailleurs le seul à ne pas regarder la caméra. On retrouve le même groupe en plein effort. Ce film s'appelle « Le saut à la couverte » et il est très spectaculaire. Mais Lumière, qui doutait peut-être de l'effet comique de son film, a décidé de rajouter un spectateur. Regardez le personnage à droite, ce vieil homme qui se tord de rire et se tape sur les flancs, tellement le spectacle lui plaît. En fait, il permet à Lumière de dire au public « Regardez comme ce film est drôle, il fait rire cet homme ». Et parce qu'il surjoue, cet homme devient le sujet de la scène. La mise en scène à l'intérieur de la mise en scène sert à guider le spectateur et à nous faire rire aussi. Bain sur la Saône. Quand ce film est tourné à Lyon, au bord de la Saône, l'un des deux fleuves de la ville, un arrêté préfectoral a déjà interdit depuis 15 ans la baignade dans les deux fleuves. Cette interdiction ne s'applique pas aux bains publics ni aux écoles de natation. Ces enfants de Lyon en profitent donc, jouant explicitement pour la caméra afin qu'on admire leur plongeon. On admire surtout leur maillot de bain. Voici le film numéro 33 du catalogue Lumière, tourné par Louis lui-même en 1896, route d'Ambérieu, à l'occasion du départ de la course cycliste Lyon-Genève et retour, organisée par le journal local Le Progrès. Le sport moderne et le cinéma sont nés à la même époque et ce film témoigne du caractère populaire des deux activités. Dans la poussière et la vitesse, les coureurs s'élancent avec entrain et confiance, sauf celui qui est obligé de s'arrêter sur le bord de la route. Sept années plus tard, en 1903, le Français Maurice Garin gagnera le premier Tour de France. Au début de ce film, nous étions avec les ouvriers de l'usine Lumière.
On les retrouve ici pratiquant la course en sac, un jeu populaire à l'époque. Et dans cette épreuve, applaudie par une foule nombreuse, celui qu'on préfère, c'est le dernier, parce qu'il n'y arrive pas. Le film en devient touchant. À la toute fin, attention, vous allez voir le bras de l'opérateur, le bras du metteur en scène, auquel décidément rien n'échappe. Nous voici de retour à La Ciotat, dans la villa du Clos des Plages, l'une des innombrables maisons qu'Antoine Lumière, le père d'Auguste et Louis, s'était fait construire. Il avait l'habitude de recevoir ses amis, et ici, ses amis jouent aux boules. Un jeu de boules soumis à des règles précises, mais qu'il est impossible de comprendre, sauf à comprendre qu'elles sont celles d'une scène de cinéma. Chacun tire n'importe comment, de n'importe quelle position, n'importe quand, jamais à son tour, jamais à sa place. Le barbu au milieu essaie de jouer depuis tout à l'heure. Il n'y est pas encore parvenu. Puis on fait vaguement semblant de mesurer la partie. Puis l'homme à la barbe va enfin pouvoir tirer, mais il triche ostensiblement en s'approchant trop près du jeu. On retrouve les mêmes, et au même endroit, dans la villa du Clos des Plages. Ce film porte le numéro 74 et il est tourné par Louis Lumière à La Ciotat en 1896. On retrouve Marguerite, l'épouse d'Auguste Lumière, Rose Lumière, l'épouse de Louis, Charles-Albert Vinclair, le frère d'Alphonse Vinclair, le beau-père des frères Lumière, Pierre Bélingard, un photographe lyonnais qui était l'ami d'Antoine Lumière. En observant le film avec attention, on se rend compte que Rose Lumière semble tricher, ce qui agace quelque peu son adversaire qui referme violemment la boîte à tric-trac. C'est le troisième film montrant les mêmes amis en vacances et il est désormais temps de se séparer. Ce film s'appelle Le départ en voiture et la restauration lui a redonné tout son éclat. On peut en mesurer désormais le caractère extrêmement précieux, voir Antoine Lumière, à gauche, qui serre des mains, filmé par le cinématographe de son fils Louis, un cinématographe dont il aura été l'inspirateur. On évoquait le couple sport et cinéma. L'alpinisme fut également une activité de loisir qui se développa à la fin du 19e siècle en même temps que le cinématographe. Nous sommes ici dans la mer de glace, près de Chamonix, avec des touristes qui arpentent un sérac. 30 ans auparavant, d'autres frères, des frères artistes, les frères Bisson, firent une photographie devenue célèbre au même endroit. On jurerait que les frères Lumière sont sur leurs traces. Pour terminer ce chapitre de la France qui s'amuse, deux films représentant un groupe d'acrobates qui s'appelle les Crémeaux et qui étaient des amis d'Antoine Lumière. Ils ont le challenge redoutable de faire exister leur numéro en 50 secondes. Ici, le gosse devient fou. Puis chacun se reprépare afin d'exécuter les derniers sauts et de donner au film son caractère spectaculaire. Roulade finale, et là, tout le monde devient fou. Les Crémeaux, c'était une famille d'artistes acrobates du nom de leur fondateur Joseph Crémeaux. Ce deuxième film montre des acrobaties icariennes effectuées non pas avec des objets, mais avec des êtres humains, des enfants même. Un enfant qui va servir de paquet, qu'on va s'envoyer, qu'on va rouler et qu'on va quelque peu martyriser.
toi. On le fait tourner et il atterrit dans les bras d'une jeune fille. Ça n'est plus le lancer d'un enfant, c'est le lancer de deux enfants. Voilà, c'était les Crémaux. La ville Lumière fut aussi la ville des Lumières. Nous poursuivons donc notre voyage par Paris, où Lumière, rappelons-le, fit sa première projection publique payante le 28 décembre 1895, boulevard des Capucines. Le portrait qu'en donne le cinématographe est le portrait d'une ville en mutation, la ville des expositions universelles, celle d'un futur qui arrive à grands pas. Ici, l'opérateur a posé sa caméra dans l'ascenseur de la tour Eiffel pour faire un travelling vertical. En contrebas, on aperçoit l'ancien palais du Trocadéro. Construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1878, il sera démantelé en 1935 afin de laisser la place à l'actuel palais de Chaillot. Nous voici près du Louvre, au Jardin des Tuileries, qui devait son nom au fait que son emplacement était occupé auparavant par des fabriques de tuiles. Le film fixe une image légendaire de la ville qu'on croirait sortie d'un tableau, d'une photographie ou de quelques lignes d'un écrivain classique. Avec l'inattendu, comme cet inconnu qui donne à l'enfant un petit coup de parapluie pour le faire sortir du cadre. La position frontale de la caméra donne une fois de plus la preuve de l'incroyable profondeur de champ du cinématographe. Tout est net, des enfants au premier plan jusqu'au point le plus éloigné de la perspective. En 50 secondes, l'opérateur peut saisir la quiétude d'un dimanche après-midi dans la capitale française à la fin du 19e siècle. Cette vue lumière aux accents proustiens a été tournée à l'occasion du Grand Prix de Longchamp. Elle s'appelle « Le retour aux Champs-Élysées ». Face à l'obélisque de la place de la Concorde, nous sommes donc dans la plus grande et la plus belle avenue du monde, dont encore une fois le cinématographe garde une trace singulière, définitive et représentative de l'époque. Pas vraiment différente des Champs-Élysées d'aujourd'hui d'ailleurs, puisque les voitures dominent, les vélos se faufilent et les piétons perdus qui tentent de traverser le font avec la plus grande prudence et la plus grande difficulté. Voici, filmé en 1897, le quatrième panorama des rives de la Seine. Panorama de la Tour Eiffel également. L'opérateur a tourné ce film de toute beauté en posant son cinématographe sur une embarcation de la Compagnie Générale des Bateaux Parisiens. On peut à nouveau saluer la perfection du filmage et la pureté du traitement du sujet qui en font une œuvre élégiaque. Avec une caméra d'aujourd'hui, le film ne serait pas différent. Les escaliers du pont de l'Alma, tournés lors de l'exposition universelle de 1900, qui fut inaugurée par le président Émile Loubet. Elle accueillit 50 millions de visiteurs et légua plusieurs bâtiments célèbres dans le Petit et le Grand Palais. Un homme à barbe passe deux fois devant la caméra qui visiblement le fascine. En 50 secondes, le Paris éternel et définitif de Marcel Proust semble revivre sous nos yeux. Le cinématographe aura laissé plusieurs films de pure description, comme un regard historique et ethnologique sur un monde qui ne changera jamais. Voici la place de la Concorde, avec obélisque et fontaine, précise le catalogue Lumière. Avec circulation, promeneuses et promeneurs à pied, et calèches qui passent et repassent. Un cadrage très maîtrisé, où le plan fixe s'exprime par la magnifique composition de l'obélisque et de la fontaine qui reste dans le cadre et qui se situe à l'avant-plan des bâtiments. Et pour bisser cette fixité, on est au cinéma, le défilé des bicyclettes, ces draisiennes désormais modernisées, dont Émile Zola et Alfred Jarry vantaient les mérites.
Après la Tour Eiffel, après les Champs-Élysées, le cinématographe offre aux spectateurs de l'époque la cathédrale de Notre-Dame, ou plus exactement son parvis. On s'y croirait. On se croirait dans le Paris du 19e siècle où il suffisait de héler un cocher pour se voir immédiatement transporté en voiture. Ici, on joue du contraste entre les allers-retours au premier plan et l'imposante cathédrale, donnant au film un mouvement qui fait son prix. Quelques jours après la première séance, Louis Lumière prend une folle décision. Envoyer des opérateurs à travers la planète qui vont, dit Bertrand Tavernier, offrir le monde au monde. Voici leur travail. Le sud de la France, pour un Lyonnais, c'était déjà un voyage. Sans doute Louis Lumière se rendait-il à La Ciotat et fit un arrêt à Marseille. Le voilà qui actionne son cinématographe pour filmer la Canebière. En une vue muette et en noir et blanc, il illustre magnifiquement les couleurs et les sons de la ville. La caméra ne bouge pas, mais le mouvement ne cesse jamais. L'œil se pose sur les marchands de sardines, les bars américains, les magasins de pompes funèbres et les tramways à chevaux. En 1900, Lumière immortalisera Marseille en la choisissant comme sujet d'un inoubliable photorama, la nouvelle invention inaugurée lors de l'exposition universelle. Félix Mesguiche fut l'un des grands soldats de la compagnie Lumière et ramena de nombreux films. Ce film montre la grande plage de Biarritz, une plage qui est toujours le joyau des Pyrénées-Atlantiques. La vue est splendide, le cadrage admirable, même avec, en haut à droite, un poil caméra venu du négatif. Le cinématographe fixe le temps qui passe, la quiétude des instants de bonheur en famille au moment où la société découvre le plaisir des bords de mer. Bientôt, et au même endroit, le jeune Jacques-Henri Lartigue fera ses premières photographies. Voici le marché aux fruits et légumes de Fort-de-France, filmé avec toute l'attention qu'il convient, par un autre opérateur lumière, Alexandre Promiot, qui a réalisé lors d'un séjour en Martinique en 1902 ce film qui porte le numéro 1304. On y voit les acheteuses empressées, des vendeuses très habillées et des colporteuses avec paniers sur la tête. Aucun homme, si, celui-là, qui ne fait que passer. Nous voici à Genève, dans le village suisse de l'Exposition nationale, filmé en 1896 par le même Promiot. Là, nous sommes dans le typique et le pittoresque. Il y a au fond un chalet en bois et défilent des vaches, des cloches, des hommes et des femmes en tenue locale. Il y a même François-Henri Lavanchy-Clark, concessionnaire Lumière en Helvétie, qui accélère toute cette foule qui traîne un peu. Car les Suisses, ça n'hésite pas à regarder la caméra. La danse au bivouac est le premier film de l'histoire du cinéma où on ne comprend pas tout. Nous sommes avec les armées de la reine d'Espagne et ses militaires dansent. Enfin là, ils s'arrêtent. Puis ils recommencent. Ils exécutent cette rota dans le plus grand désordre. On assiste à un mouvement collectif tout à fait incompréhensible. Chacun danse à sa manière, certains dansent seuls, et il y en a deux, là, à gauche, qui dansent le slow. Lumière est aussi l'inventeur du cinéma abstrait. À Barcelone, nous allons à la rencontre des portefaix, ces marins au port dont la fonction était de débarquer les marchandises des bateaux. Il y a ceux qui s'activent sur la passerelle, enfin sauf cet apprenti comique,
là-haut qui fait des signes à la caméra et se fait réprimander par son collègue. Et il y a ceux, au premier plan, qui ne font strictement rien. De toute façon, le vrai sujet du film, et qui en fait sa beauté, c'est la fumée. Le film Lumière numéro 295 s'appelle « Le panorama du Grand Canal pris d'un bateau » et il est célèbre car considéré comme le premier mouvement d'appareil, ce travelling latéral qu'on appelait alors un panorama. Alexandre Promio pensa que si le cinématographe immobile parvenait à filmer des sujets en mouvement, l'inverse pouvait être également vrai. C'était le cas. En fait, un autre panorama fut tourné par Constant Girel à Cologne, sur le bord du Rhin, le 21 septembre 1896, soit 36 jours avant celui de Venise. Chez Lumière comme chez John Ford, on imprime la légende plutôt que la réalité. Un saut par-dessus la Manche, et c'est l'Angleterre filmée par Charles Moisson en 1896. Lumière avait le sens du commerce. D'ailleurs, la sortie des usines Lumière n'est-il pas aussi l'un des premiers films publicitaires? Voici donc le cinéma Lumière de Londres, le théâtre Empire, dont la façade s'orne en haut à gauche d'un Lumière cinématographe Every Evening. C'était la salle de Félicien Tréway, l'un des hommes qui buvait de la bière tout à l'heure avec Antoine Lumière. Nous ne disposons malheureusement pas d'une telle vue pour le grand café boulevard des Capucines. On aurait vu qu'à la même époque, et à Paris aussi, on allait au cinéma en calèche. Voici le pont le plus célèbre de Londres. Du monde qui l'entoure, le cinématographe va vite donner un portrait très exact. Cette vue lumière montre de façon évidente que les opérateurs respectaient un cahier des charges précis. Rapporter les images marquantes des villes, des quartiers ou des monuments. Comme ici, dans la capitale britannique, sur le pont de Westminster, avec Big Ben qui trône à l'arrière-plan, comme le chapeau melon sur la tête des travailleurs anglais. Le tout dans un film à la composition plastique d'une grande pureté. Le port de Liverpool succède maintenant à celui de Barcelone. Dès qu'ils découvrirent la puissance narrative des mouvements d'appareils, les opérateurs Lumière les utilisèrent avec générosité. Ce film s'appelle « Panorama pris du chemin de fer électrique » et se signale par ce plan long, caméra installée à la fenêtre du Liverpool Railway qui traversait les docks de la ville. C'est un film précieux par ses sauts de montage et par la qualité de la photo du cinématographe qui permettait d'obtenir un noir et blanc parfait entre contraste et contre-jour. Après le premier cinéma de Londres, voici la première salle d'Allemagne, le Panopticum de Berlin sur Friedrichstrasse. Une nouvelle fois, loin de se réduire à un plan innocent de sa propre capacité à seulement montrer, le film joue sur la différenciation des points de vue et le croisement des lignes de fuite devant le bâtiment principal. Il met en valeur ces dames à la démarche, aux ombrelles et à la toilette soignée. À noter que ce film impressionna beaucoup Wim Wenders lorsqu'il vint à Lyon rue du premier film pour découvrir les vues lumière pour l'hommage qu'il rendit aux inventeurs allemands, les frères Sklazanowski. Retour en Grande-Bretagne, mais à Dublin, en Irlande, avec les pompiers de la ville. Profession qui fascina tellement Alexandre Promio que sur 15 films qu'il consacra à la ville, 11 ont comme sujet les sapeurs-pompiers. On a là un film magnifique, avec un fort sens de l'espace et dans lequel un événement arrive toutes les 10 secondes, passage des voitures et surgissement d'une foule à la fois joyeuse et inquiète et dont les déambulations collectives désignent hors champ des événements mystérieux.
Un peu plus tard, Promio monta vers le nord pour tourner à Belfast un film dont le sujet est contenu dans son titre. Pompier, exercice de sauvetage. En effet, cette échelle méritait le détour et les 50 secondes qu'on lui consacre. Ils sont 5 pour cette grande échelle. Et hop, regardez, c'est une échelle à une porte. Le problème, c'est que pendant ce temps de préparation, on peut penser que l'incendie progresse. Ce film fut découvert à l'occasion de la visite à Lyon du cinéaste américain Elia Kazan, lui-même originaire d'Istanbul. Il en fut très impressionné. Nous voici en effet dans la ville la plus célèbre de Turquie, filmée depuis la rive européenne du Bosphore. Ce panorama de la Corne d'Or est un véritable plan-séquence, un mouvement d'appareil incomparable pour l'époque et qui serait difficile à réaliser encore aujourd'hui. Il use un mouvement circulaire qui permet, sans jamais que la mosquée en haut à gauche sorte du cadre, de voir tout à la fois la mer, la ville, un gros bateau, une frêle embarcation et qui s'achève au loin par les piétons sur l'embarcadère. Après la Turquie d'Europe, voici la Turquie d'Asie, telles en étaient les appellations de l'époque. Avant la Première Guerre mondiale, la Turquie d'Asie comprenait l'Anatolie, l'Arménie orientale, le Kurdistan occidental, la Syrie, la Palestine, la Mésopotamie et enfin l'Arabie ottomane. Tourné près de Jérusalem en 1897, ce film s'appelle « La caravane de chameaux » et il est juste majestueux. Ce film s'ouvre, regardez, par un gros plan, ou presque, cet homme qui regarde fixement la caméra. 2 ans après son invention, le cinématographe devait offrir à la curiosité des spectateurs du monde entier un exotisme sans cesse renouvelé. Voici la porte de Jaffa, tournée dans les fortifications de la vieille ville de Jérusalem. 2 enfants qui ont repéré la présence de la caméra décident immédiatement de se faire remarquer. Il faut imaginer encore une fois ce que ces films-là pouvaient avoir d'extraordinaire pour un public asiatique, américain ou européen. La meilleure place pour la caméra, disions-nous, ce film en est l'éclatante démonstration. D'abord, c'est la première fois que les pyramides et le sphinx sont filmés. Mais l'état de grâce s'installe, car au-delà de son sujet, le film est une perfection de mise en scène. Plaçant sa caméra en légère contre-plongée, Alexandre Promio restitue en 50 secondes tout ce qu'est l'Égypte. Les chameaux, les cavaliers, la façon dont les gens sont vêtus, jusqu'à ces merveilles que sont le sphinx de Gizeh et la pyramide de Khéphren. Dès l'origine, le cinéma sera un instrument de connaissance du monde. Ce film s'appelle « Le Bey de Tunis et les personnages de sa suite descendant l'escalier du Bardo ». Rapidement, les têtes couronnées du monde entier voulurent figurer dans les vues lumière. On parlerait aujourd'hui d'efficacité médiatique. Ce fut le cas pour « Le Bey de Tunis » qui souhaita être filmé par Alexandre Promio. Mais le défilé est tellement solennel et ils sont tellement nombreux qu'on finit par ne plus savoir qui est le Bey ni où il se trouve. Lorsqu'il filma le couronnement du tsar Nicolas II, Charles Moisson connut un succès retentissant. Ce film-là est plus simple, mais il est magnifique. Tourné à Moscou, rue Tverskaya, dans une Russie qui est celle des grands maîtres de la littérature. C'est une rue, comme celle de Lyon ou de Berlin, mais regardez l'homme qui vient s'installer près du réverbère. Il est intrigué par l'opérateur qui tourne la manivelle.
Il fixe alors l'objectif et va nous obliger à fixer notre regard sur lui. Il devient alors le sujet du film, provoquant un attroupement autour de lui et donnant à cette vue un intérêt dramatique exceptionnel. Alexandre Promio, qui aurait pu servir de modèle à Hergé pour son Tintin, arrive aux États-Unis en 1896. Il offre à Broadway, déjà la principale rue de New York, une profondeur de champ dans un film aux qualités esthétiques étincelantes. Pauvre Alexandre Promio, c'est sur lui que vont s'abattre les foudres de Thomas Edison, bien décidé à faire expulser ces Français qui organisent, avant lui et de manière triomphale, des projections sur le sol américain. Mais avant qu'il ne soit reconduit au bateau, Promio aura le temps de réaliser une série de films absolument magnifiques. Nous allons vers l'ouest et nous voici à Chicago. Promio, il l'a raconté, a filmé 5000 policiers sur Madison Avenue, l'artère centrale de la ville. Et sur ces 5000 policiers, 4997 ont une moustache. En voilà un qui n'en a pas. Remarquons encore une fois la profondeur de champ, l'usage de la diagonale et deux autres originaux qui ont décidé de ne pas porter de moustache. Lui ? Et lui ? En voyage au Mexique, Gabriel Vert tourne près de Guadalajara cette œuvre énigmatique qui oppose des chevaux à des canards. Et dans ce combat, a priori inégal, les canards l'emportent, regagnant inexorablement leur territoire naturel, l'eau, malgré les chevaux qui approchent, les hurlements des chiens et les coups de sombrero des paysans mexicains. Sens du cadre, du rythme et de l'épique, Gabriel Vert capte pour les spectateurs européens le pittoresque et l'authentique d'un pays lointain. Ce film a pour titre « Enfants annamites ramassant des sapèques devant la pagode des dames ». Nous sommes au cœur du Vietnam, dans ce qui était alors le protectorat d'Annam en Indochine française. Ce film est édifiant. L'épouse et la fille du gouverneur général local distribuent à des enfants des pièces de monnaie trouées. Elles sont en blanc, ils sont en noir, elles se tiennent debout, ils grouillent à même le sol. Quel que soit le point de vue qu'on adopte, ce film est sans mépris ni jugement un témoignage fulgurant de ce que fut le colonialisme. L'opérateur Gabriel Vert n'hésitait pas à bousculer le cahier des charges. Et son audace plaisait à Louis Lumière. Il en fallait pour oser proposer cette séquence tournée au Tonkin. Ce film s'appelle « Embarquement d'un bœuf à bord d'un navire » et Vert tourne à une première version avec l'animal qui tombe. Il n'osa pas la conserver et détruisit le négatif. Puis il réalisa une seconde prise qui est celle que nous voyons. Lumière a-t-il aussi inventé le cinéma d'arts martiaux ? Après avoir traversé la mer de Chine, l'opérateur Constant Girel arrêta ses pas au Japon et à Kyoto, sa capitale historique, pour se plonger soudainement dans ce qui est alors un monde mystérieux aux yeux de l'Occident. Il filme un décor bardé de drapeaux japonais et deux kendoka dans un plan large somptueux. Ici, le style Lumière existe pleinement. Un sujet, un point de vue, un traitement. Et une prise de vue qui anticipe l'histoire du cinéma, la même scène sera tournée par Akira Kurosawa dans Les Sept Samouraïs, 60 ans plus tard. Ce nouveau chapitre, le 8e, pour montrer que Lumière, c'est aussi la fiction, c'est aussi la comédie. À l'époque, les films à succès, on les montrait partout. Mais on en tirait tellement de copies que le négatif s'usait. Il fallait donc en faire d'autres.
et l'un des films vedettes, L'arroseur arrosé, eut droit à plusieurs versions. Celle-ci joue sur la profondeur de champ, avec un jeu comique plus sophistiqué que la première, et un beau regard caméra pour terminer. Il existe au sein de la filmographie Lumière de nombreux vaudevilles militaires. Ce film, La bonne d'enfant et le soldat, est réglé comme une horloge. Avec, retour du spectateur à l'intérieur même de la scène, un personnage qui rit ostensiblement pour inciter le public à faire de même. Et le tout se termine par une paire de gifles, processus scénaristique souvent employé dans les vues Lumière. Tourné en 1897 en Angleterre, voici le premier film sur le football dont les règles modernes venaient d'être dictées. La caméra ne pouvait pas bouger, donc impossible de suivre le ballon. Or, le voilà qui disparaît soudainement. Et c'est là que le film devient drôle, car la position du ballon, il faut désormais la deviner en fonction du déplacement des joueurs qui observent un ballet chorégraphique aléatoire. Le 14 septembre 1896, Marius Sestier est en Australie et fait là l'un des rares films Lumière tournés dans l'hémisphère sud. Il a pour titre Le patineur grotesque et il se passe à Melbourne. Grotesque, ce patineur l'est, on va voir que tout ça n'est pas d'une grande finesse. N'est-ce pas ? Sinon, c'est un très bon patineur. Le numéro 948 du catalogue Lumière s'appelle « Querelle de matelassière ». Dans ce film saugrenu, les matelassières qui se querellent sont des matelassiers comme dans le théâtre shakespearien. On a du mal à imaginer le projet de ce film, car il s'emballe, semble échapper à ses personnages, à son sujet et manifestement plus encore à son metteur en scène. La personne chargée de séparer les belligérants devient l'objet de leur colère, puis les gens arrivent de partout, tout le monde envahit l'écran dans une joyeuse pagaille, avec d'innombrables flocons en suspension dans l'air, comme le film. L'armée française est de retour. Voici les chasseurs alpins à l'exercice, dans un film doté lui aussi d'un effet comique aussi extraordinaire qu'involontaire. Avec un personnage central qui se sent au bord du ridicule et jette un regard interrogatif à la caméra pour s'en assurer. Ce film s'appelle L'amoureux dans le sac et c'est une sorte de Roméo et Juliette version cinématographe. Il est tourné en studio dans les conditions typiques des comédies Lumière. Là-haut, sur son balcon, Juliette est interprétée par Eugénie Laurent, qui était une ouvrière de l'usine de Montplaisir. Et chute scénaristique habituelle,
Dans l'hilarité générale, quelques coups sont échangés en sollicitant le spectateur par un habile regard caméra. En 1896, Louis Lumière filme Félicien Tréouet, concessionnaire Lumière en Grande-Bretagne et ami de son père Antoine. Les personnages représentés successivement grâce à ce chapeau à transformation sont Aristide Bruant, Édouard III d'Angleterre, un Écossais, un Chinois, un pêcheur de sardines, un concierge, Don Basile, le bonnet de police et l'armée du salut. Bon, c'est mieux si on le sait. Attention. Rembobinons pour mieux comprendre. Ce film de démonstration a été tourné à bord du navire de guerre français Le Formidable et il semble plus vrai que nature. La caméra est placée sur le pont et c'est une torpille lancée depuis le bateau qui détruit la petite embarcation dont le skipper était un mannequin. Les chasseurs alpins formaient une unité de montagne de l'armée de terre apparue sous sa forme moderne en 1888. Ils portaient une tenue bleue et surtout un large béret qu'on appelait la tarte. Font-ils cet exercice parce que la caméra est là ? Bertrand Tavernier dit « Quand on voit ce film, on comprend mieux pourquoi à l'époque la France perdait toutes ses guerres ». C'est à se demander si ça n'était pas dans l'usine Lumière, sous la direction de Louis, qu'on faisait les films les plus fous, comme ce scieur de bois mélomane tourné à Montplaisir en 1897 et dont l'argument n'a pu être qu'imaginé par un cerveau blagueur. Un cerveau de cinéaste aussi. Accessoires et faux trucages, un rythme lent à la Laurel et Hardy et des comédiens consciencieux qui jouent pleinement leur rôle. Voici, filmée à Paris en 1897, la prestation étonnante d'une ballerine de la fin du 19e siècle nommée la Bossie. Cette danseuse n'a guère laissé de traces dans l'histoire de la danse, sauf ce film dans lequel on lui a bien expliqué qu'elle n'avait que 50 secondes pour montrer tout ce qu'elle savait faire. Et qu'elle fait avec, disons, une certaine conviction. Louis Lumière a beau avoir inventé le cinématographe et produit les centaines de films de ses opérateurs, il a également créé lui-même des comédies extravagantes. Comme ce film, tourné à La Ciotat en 1896. Quand la roue s'active et que l'animal est enfermé dans cette drôle de machine, on comprend vite pourquoi cette vue a pour titre « La charcuterie mécanique ». Pour commencer ce chapitre, deux films sur la construction du canal de Jaunage dans les environs de Lyon. Attentif à toutes les innovations et techniques de son époque, Lumière filmerait aujourd'hui la construction du grand stade de l'Olympique lyonnais. La caméra filme une machine nouvelle et insolite, la locomobile, qui permettait de compresser le sol le long de la voie de chemin de fer.
À droite, six hommes s'activent dans un geste visiblement inefficace. Voici le véhicule le plus étrange des débuts de l'histoire du cinéma. Nous sommes toujours à Jonage et nous voyons une machine à damer. On verra que la mécanisation n'empêche pas l'usage de la pelle. On notera surtout que même dans d'imposants travaux publics comme celui-ci, Lumière composait son image de manière parfaite et savait extraire du banal le pittoresque et l'inattendu. Louis Lumière avait-il lu 20 milieux sous les mers de Jules Verne ? On l'ignore. Mais ce film en est presque comme une adaptation primitive, bien avant celle que Richard Fleischer réalisera en 1954. Permettant d'alimenter le scaphandrier, on aperçoit à gauche la pompe à air manuelle qui sera l'un des éléments comiques récurrents du trésor de Rackham le Rouge d'Hergé. Ici, elle est actionnée avec une certaine nonchalance par deux hommes qui continuent de l'activer bien après que le scaphandrier ait atteint la terre ferme. Le cinéma, c'est le mouvement. Dans ce film, Lumière l'obtient par un plan fixe qui laisse bouger le sujet à l'intérieur du cadre. La plateforme mobile, qui est en fait un trottoir roulant à deux vitesses, était l'installation la plus acclamée de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Dans cette France des années folles qui croyait à l'avenir, Lumière sait capter le style, l'esprit et la beauté des temps nouveaux qui arrivent. Le siècle nouveau, c'est aussi celui de l'Amérique. À New York, le pont suspendu qui relie Manhattan à Brooklyn fut inauguré en 1883, après 14 années de construction. Ici, l'angle de la passerelle et des escaliers crée un autre cadre dans lequel passent les tramways. Ce sont ces étonnements, ces innovations, ces grandes constructions que les opérateurs Lumière ont rapportées du monde entier pour le monde entier. On ne sait qu'admirer dans ce film sa composition plastique ou l'interrogation suscitée par son sujet. En 1897, les puits de pétrole de Bakou en Azerbaïdjan prennent feu. Un opérateur lumière est là. Il place sa caméra loin du lieu de l'action pour qu'un plan très large en rende totalement compte. Et tout en bas, tout petit, un homme marche vers la gauche. La mise à l'eau du bateau, le Varese, a été tournée par Francesco Felicetti dans les chantiers navals des frères Orlando à Livourne, en Italie. La position de la caméra choisie par l'opérateur est idéale. James Cameron choisira exactement la même pour le lancement de son Titanic. Le navire envahit l'image par la gauche, dans un bruit qu'on imagine assourdissant, seulement calmé par l'écume derrière laquelle disparaît le bateau. «
Ce chapitre pourrait également s'appeler « La trace lumière », pour des films dont on pourrait imaginer aisément qu'ils ont été tournés 20 ou 30 ans plus tard. Regardez, nous sommes ici chez Eisenstein et les marins de Potemkin. La caméra est posée dans une baleinière et cela donne au film une modernité, une liberté et une audace qui permettent non seulement de montrer quelque chose, mais de le dramatiser. Cette vue prise d'une baleinière en marche est un superbe film de cinéma. Accident d'automobile est un film spectaculaire, vous allez comprendre pourquoi. Surmontant l'accident, le personnage principal ressemble furieusement, vous l'aurez noté, au Michel Simon de Boudu sauvé des eaux de Jean Renoir. On a évoqué la création d'un mouvement dans un plan fixe. Sait-on que dès les débuts du cinéma, des opérateurs cherchèrent des points de vue nouveaux, inédits, abstraits, lançant plusieurs décennies de cinéma expérimental. Ce bocal de poisson rouge, tel est le titre de ce film, nous donne à voir des formes, des ombres, des reflets, de la transparence. Quand on voit ce film, tourné en Italie en 1897, on se demande si on se trouve chez le peintre anglais Turner ou dans une marine photographiée par Gustave Le Gray. La journée est au gros temps, l'opérateur est là, il peut actionner son cinématographe. Il ne pouvait pas mieux tomber. L'embarcation, chahutée par le mouvement des vagues, va partir puis revenir sans jamais quitter le champ de la caméra. Un jour, John Ford a dit à Steven Spielberg qui débutait « Jeune homme, la ligne d'horizon ne la mettez jamais au milieu de l'image. » En voici la démonstration par lumière. Ce film s'appelle « En file indienne sur les glaciers avec les raquettes ». On y retrouve les chasseurs alpins dont certains ne riaient pas, ne parviennent pas à tenir debout dans la neige. Qui avait une résidence à Évian, aimait beaucoup la montagne, et Chamonix fut pour eux un lieu de détente. Ce plan de grand ensemble et de toute beauté pose une seule question. Où est perché l'opérateur avec son cinématographe pour filmer de façon aussi sublime cette longue procession des chasseurs alpins ?
Nous étions tout à l'heure chez Kurosawa, nous voici maintenant chez Ozu. Le grand cinéaste japonais, pour qui le silence eut tant d'importance, n'aurait sans doute pas renié non plus cette position basse de la caméra que lui-même affectionnait. Si le cinéma est l'art du mouvement, il est aussi l'art du temps. Le temps est également le sujet de ce film, dont on peut aussi admirer le parfait agencement dans la répartition des deux fumeurs d'opium. L'un porte chemise blanche et pantalon noir, l'autre chemise noire et pantalon blanc. Le cinématographe Lumière et Gabriel Vert ont même filmé la mort mexicaine. Le cinéma, c'est la mort au travail, disait Cocteau. La mort pour de vrai? Non. Filmé un matin sur une colline du sud de Mexico, il s'agit en fait d'une mise en scène qui eut lieu avec l'autorisation des autorités locales, le lendemain d'un vrai duel où un homme trouva la mort. Encouragé par Louis Lumière qui aimait les excentricités contenues dans les films qu'on lui envoyait, les opérateurs n'hésitèrent plus à poser le cinématographe n'importe où. Comme ici, où il est installé à l'intérieur d'un ballon captif qui s'éloigne peu à peu du sol. Dans le tremblement, l'incertitude et le bouger des images, le film trouve toute sa force et sa beauté. Au début de ce programme, nous avons vu un film fait de trois plans en cinémascope superposés. Voici une vue lumière qui est comme une métaphore du cinéma avec également trois niveaux mais qui joue cette fois sur la profondeur de champ. Premier niveau, la foule. Deuxième niveau, le bateau avec la chaîne qui va se rompre et effrayer les spectateurs. Il est comme l'écran de cinéma sur lequel il se passe des choses. Et quand il quitte l'image, apparaît au loin la même scène avec des gens qui sont autant de spectateurs venus d'ailleurs. Nous allons terminer ce programme par quelques films étonnants, dont ce squelette joyeux, tel est le titre de cette vue lumière, tourné en 1897 et qui rappelle une chose. Quand ils inventent le cinéma, Louis et son frère Auguste sont des hommes jeunes qui aiment la vie, les blagues et le spectacle. En témoigne ce film de marionnettes qu'ils auraient pu baptiser le French Cancan du squelette. Cette vue n'est pas un film en couleur, mais un film auquel on a ajouté des couleurs. Il est en effet colorié à la main, fut tourné en Italie et s'appelle « La danse serpentine ». L'époque était à Loïc Fuller, qui inventait la danse moderne, et il s'agit là d'une exécution qui rend hommage à la danseuse américaine. « La danse serpentine » est une chorégraphie créée par Loïc Fuller au Park Theatre de Brooklyn à New York en 1892, et ce film est une splendeur. Voici l'un des premiers chefs-d'œuvre de Lumière. Il a pour titre « Bataille de neige » et a été tourné tout près de l'usine, un jour de neige et de beau temps. Il contient une multitude d'événements. Les gens s'amusent joyeusement. Un homme arrive, tombe de son vélo, devient la cible des batailleurs, tente de repartir, oublie son chapeau. L'ombre sur le sol blanc de neige témoigne une fois encore de la perfection absolue de la photographie du cinématographe. Jusqu'au bout, les personnages s'en donnent à cœur joie, dépassant sans aucun doute les indications du scénario.
Tourné en 1900 par Gabriel Vert dans le village de Nam Mô au Vietnam, voici peut-être le plus beau film lumière. Dans un splendide travelling arrière, le cinématographe est posé sur une chaise à porteur qui quitte le village. La population est là, fascinée par l'appareil. Plein d'enfants courent devant lui. De cette course, une petite fille sortira vainqueur. La caméra retient pour l'éternité le visage de cet enfant. Son regard, sa timidité et pour finir sa joie vont donner à cette vue lumière toute son intensité et son émotion. Dès son origine, l'invention du cinéma fut aussi le théâtre de grandes batailles et de multiples procès en paternité. Lumière était-il bien l'inventeur du cinématographe? Sa machine était-elle meilleure ou non que le kinétoscope de Thomas Edison? Louis n'était pas dupe de toutes ces accusations et il en fit même un film, Les couleurs d'affiche, tourné par Alexandre Promio en 1897. Un scénario malin vient dire toute la réussite du cinématographe de Lyon. Un film une nouvelle fois mis en scène, une nouvelle fois joué par les acteurs et qui se termine par quelques paires de gifles et avec l'arrivée de la maréchaussée, des pots de colle renversés sur la tête des récalcitrants. Ce film porte le numéro 42 du catalogue de la société Lumière et Fils et il fut tourné par Louis lui-même. Contrairement aux apparences, il n'est pas un trucage. Félicien Tréway, qu'on a vu jouer tout à l'heure avec un chapeau à transformation, avait une autre spécialité. Il écrivait à l'envers. Ce film vient donner la preuve que le cinéma de lumière, c'est aussi l'humour et la fantaisie. C'est avec cette vue que les séances du cinématographe souvent se terminaient, et c'est avec ce film, d'une élégance toute masculine, que nous terminerons ce programme. Mesdames et messieurs, nos remerciements. Voilà, nous aurons vu 114 films faits par le cinématographe. En tout, Louis Lumière et ses opérateurs en ont réalisé 1422. C'est dire s'il en reste à découvrir. Il y eut beaucoup de drôles de machines avant le cinématographe, mais aucune après lui. Lorsque Louis Lumière tourne ses premiers films, tout est là d'emblée et définitivement. Il fut le dernier des inventeurs et le premier des cinéastes. Et dès l'origine, il a fait de ce qui deviendra le septième art quelque chose de joyeux, de tendre et d'universel.